Salut tout le monde, c'est Roro et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 13, le mode Ultimate Team bien sûr. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté une petite équipe bien fun. Voilà, une équipe qui vaut à peu près, sans vous mentir, allez, même pas 2000 crédits. Non, j'abuse un peu quand même, j'abuse un peu. Allez, on va dire 5000. 5000 crédits, voilà, c'est une bonne petite équipe, ça va vous faire rire. Voilà, parce que sur YouTube, j'ai jamais vu ça, j'ai cherché longtemps, j'ai vu aucune équipe comme celle-ci. On va y arriver. Alors je viens de me connecter, voilà, c'est mon premier match. Alors j'ai vu que j'avais deux packs à ouvrir, donc voilà, j'ai dit pas les ouvrir. Je vais attendre la vidéo, voilà. Alors j'ai Messi, ouais, Messi, voilà, là, je vais avoir un gros joueur, c'est obligé. Ah, Walker. Putain, il fait chier, je l'ai acheté hier, quoi. Oh merde, je l'ai acheté hier. Bon, c'est pas grave, Walker, ça se vend. Ouais, ça se vend, pas cher, mais ça se vend quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, déjà, on va tout garder. Miguel Lopez. Lui, on va le vendre, mais... Tac. On va garder ce contrat. On va garder cette forme. On va garder ces quatre contrats. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on est lundi. J'ai pas cours. J'ai pas cours parce que je suis en stage. Ouais, je suis en stage. Jusqu'aux vacances de Noël. Du coup. Et vu que je suis en stage dans un magasin qui ouvre le dimanche, du coup, le lundi, c'est fermé. Attendez. Donc, il ouvre le samedi. Voilà. Hop, allez, je vends tout. Voilà, donc du coup, étant donné que mon magasin ouvre le samedi, logique que le lundi ce soit fermé. Voilà, donc je reprends demain. Alors, je vous fais une petite vidéo, voilà, j'avais envie. Oh, j'ai pas vu qui j'ai eu. Oh, super. Pinilla. Voilà, donc lui, c'est un gros joueur. Ouais. Un Norvégien. Non, Islandais. Bon, autant dire que ce pack c'est de la bouse. Ah bon, j'ai 1000 crédits. J'en me crée. Morale équipe. Ah, ça je vais garder. Tac. Voilà, forme ça sert à rien. Voilà, les contrats. Ah mais non, j'ai pas le joueur. Bon allez, on va pas se casser la tête. Ouais. Voilà, 1100 crédits. Alors on va débuter cette vidéo. Je vais vous montrer mon équipe. Voilà, alors, ouh, à partir de 30 000 crédits. C'est quoi ça? J'ai passé une offre à caractère unique avec 11 joueurs or et un entraîneur. Waouh. 30 000 crédits. Ouais, d'accord. Alors, voilà, donc je vais aller dans mon équipe. Alors, vous... Je sais pas quoi dire. Alors, vous allez être choqués, les gars. Voilà, parce que regardez. Dun, 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 dun. La, 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 la. Voilà, ça c'est mon équipe, les gars. Ça c'est du lourd. C'est du très très lourd. Voilà, des joueurs sans tête. C'est une équipe qui a ni queue ni tête. C'est le cas de le dire. Donc là, j'ai rajouté deux joueurs. Pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé de milieu droit et de milieu gauche qui avait pas de tête. Voilà, donc du coup, j'ai mis les deux, Pienard et Dladla. Ouais, Dladla. Voilà, donc j'ai fait 3 matchs en ligne, j'en ai gagné 2. Et l'autre, j'ai perdu 4-0. Mais bon, ça, c'est pas grave. Voilà, les gars, donc c'est tout, c'est bon. Bon, y a aucun joueur qui est dans le bon dispositif. Mais c'est pas grave, vous allez voir, ça roule bien. Non, y a que lui. Ah, lui, c'est Pienard. Le milieu gauche de Everton, ouais, je l'ai pris parce que c'était un Africain. Et étant donné que c'est une équipe africaine, quoi. Afrique et ça, c'est quoi ça? Éthiopie, non. Zimbabwe, voilà. Afrique, Zimbabwe, c'est un peu pareil. Voilà, des joueurs sans tête. Avec un entraîneur italien. Voilà, donc c'est une équipe qui a ni queue ni tête.
Je pense que je vais mettre ça en titre de la vidéo. Ouais, ça pourrait être pas mal. Allez, donc si vous vous rappelez bien, on a gagné lors des huitièmes de finale pour la vidéo test de Zlatan Ibrahimovic. Ah, une vidéo qui vous a bien plu, hein. Faut dire que la vidéo a eu un peu plus de 120 j'aime. Ouais, donc ça m'a fait super plaisir. On a gagné 3-1, c'est bien ça. Là, on va s'attaquer au quart de finale. Donc on va jouer les quarts de finale avec une équipe comme ça, quoi. Ça va être dur. Ça va vraiment être dur. Voilà. Ah, j'ai un autre goal qui est pas de tête, Koulibaly. J'aurais pu le mettre ici, mais bon. Après, c'est plus drôle. Ah, parce que. Allez, hop. Tac, on va lancer la recherche. Alors, franchement, j'ai joué contre quelques abonnés avec cette équipe. J'avais pas trop envie parce que. Voilà, c'était une surprise. Mais le peu. J'ai joué contre 2-3 abonnés. Et ils ont tous eu la même réaction. Ils m'ont dit, ouais, cette équipe, ces joueurs, ils doivent être tous à 99. En gros, des joueurs cheatés, quoi. Je leur ai dit non, non, non. Parce que avec cette équipe, pour marquer un but, il faut que je frappe 15 fois au cage. Voilà, donc là, on va s'attaquer à une Serie A. Heureusement qu'il a pas Buffon au goal, parce que là, oh non, mais là, ça aurait été impossible. Par contre, il a Schneider, Pato, Jovinko, ça va très vite. Il va me faire mal. Il va me faire mal, Jovinko, parce que mes défenseurs sont super, méga, hyper lents. Voilà, ça va être un peu le défaut et le gros défaut de cette équipe. Moi, je vous le dis, avant que le match commence, le gros défaut de cette équipe, c'est sur corner. Je prends que des buts de la tête. Ils sont pourris de la tête. Ils doivent avoir 60. Voilà, les défenseurs de la tête, 60, ils ont. Et voilà, quasiment à tous les matchs, je prends des buts de la tête. Voilà, ça fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va débuter ce match. Voilà, donc là ils ont une tête. Les joueurs, quoi, comparés sur la photo. La blague est pourrie, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Allez, Mato. Oh. Moi, je vais pas prononcer le nom des joueurs parce que. À ce rythme-là. Attendez, regardez. Zvazia. Dladra, Nkata, Katsand, Matoo. Pour l'instant, j'ai 100 hein, en possession de balle. Machamaité. Oh, lui, il est pas mal, lui. Voilà. Baloyi. Voilà, on va la passer à l'attaquant. Ashlonga. Ashlongwa. Voilà, il va centrer. Ouh, premier danger. Hein. Premier danger sur la cage italienne. Par contre, j'arrive à peu près à gagner des fois avec cette équipe. Oh, attention! Nkata! Oh putain, l'arrêt! Quand je suis concentré à max, alors là que je suis en plein commentary, ça va être chaud. La frappe! Ouh, bien joué ça. Attends, Baloyi. Précision, coup franc 30, effet 30, penalty 33. On va faire tirer Pienaar. Ouh, ça a failli rentrer. Les gars, on est présents. Faut pas les laisser prendre de la vitesse. Bien joué, ça. Allez, on va construire une action. Tac, dala. Non, non, non. Ouh, bien joué, machin maïté. Ça, il partait au but. Oh, attention, oh bien joué ça. Zvazia, Nkata, le crochet. Allez, de là. Non, putain, c'est mon meilleur buteur en plus, de là. Ah, j'ai fait 3 matchs, j'ai mis 2 buts avec. Attention, hein. Voilà, donc je suis ravi que la précédente vidéo au test de Zlatan Ibrahimovic vous ait plu. Non. Non! Oh oui, gardez! Vous êtes plus, voilà, ça m'a fait plaisir. Attends, déjà, je vais me concentrer. Allez, j'ai ma chamaïté. C'est un peu le meneur de la défense. Même s'il a que dans les 50 en général. Voilà, super.
Super, allez, Longa. Nkata. Nkata. Allez, Baloyi. Ah, mais non, t'es trop lent, mec. Fais la passe. Ah, dommage. Ah, donc je suis ravi que cette vidéo vous ait plu, tout ça. Je pense je vais en refaire des tests parce que ça vous plaît vraiment. Je suis en train de faire une vidéo où je vais vous présenter le meilleur joueur de FIFA 13 en rapport qualité-prix. Ah, c'est le meilleur joueur de FIFA 13. Il coûte pas cher, il est super fort. Voilà, donc je vais vous le présenter. Je vais faire une vidéo spéciale sur lui. Voilà, ça va arriver dans pas longtemps sur ma chaîne. Je pense que la vidéo, je vais la tourner un peu plus tard. Histoire de vous faire deux vidéos dans la semaine. Voilà. Par contre, je sais pas encore ce que je vais faire. Voilà, donc autant en parler maintenant. Les 1000 abonnés, ça approche. On est à 850. Ça approche. Voilà, j'avais demandé de les avoir pour Noël. Je pense que je les aurai. Sans me vanter. J'espère, ça me ferait vraiment super plaisir. C'est le plus beau cadeau que je puisse avoir, même si je vais peut-être m'acheter un MacBook. Bon, ça c'est pas sûr. Allez, en toi t'as pris un jaune. Voilà, donc les 1000 abonnés, pour moi ça représente beaucoup. 1000 abonnés, c'est j'imagine, même 850, ça représente énormément. J'imagine 850 personnes face à moi qui regarde mes vidéos. Waouh, wow, j'imagine 850 personnes, c'est à peu près tout mon lycée. Ouais, c'est un peu moins que de tout mon lycée. Ouais, je m'imagine à la sortie du lycée, je vois tous les gens défiler et tout. Waouh, ça c'est tous mes abonnés. C'est un peu con, mais bon, voilà, c'est ce que je m'imagine des fois. Par contre, là, ça va faire mal. Là. Non. Non, non, non. Nkata, il est un peu trop long. Trop lent plutôt. Voilà les gars, c'est bon. Allez, Macha Maïté. Mach Longua. Je suis sûr que vous connaissez aucun joueur de cette équipe à part Pienaar. Voilà, à part lui. Parce que bon, il y en a qui l'utilisent dans des BPL, mais bon, sinon. Les autres, ils sont inconnus. Voilà, bien joué ça. Bien joué ça. Nkata sur Dladla. Dladla qui va fixer. Non, il y a faute là. Il y a faute. Il y a penalty. Attention, Jovinko, il est super rapide. Il me fait trop peur. Surtout. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, Moleko. Ouais, j'espère que cette vidéo elle va vous plaire. Parce que cette équipe, je l'ai construite avec un de mes abonnés. Enfin, je l'ai construite. Il m'a aidé à chercher des joueurs. Et voilà, ça a été sympa de sa part. Par contre, c'est vraiment compliqué de trouver ces joueurs-là dans tous les postes. C'est vraiment super compliqué. Oh, mais y a pas faute, quoi. Ah non, mais y a faute pour moi. Oui, y a faute. Attendez, vous avez vu ce qu'il m'a fait? Je sais pas si vous avez vu, mais. Non, 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 non. Oui, gardien. Super gardien. Super, super, super gardien. Allez, attention, ça va partir. Non, oui, non, non. Drada. On va revenir. Oh, oui, super. Allez. Ah, pied nord. Pienaar. Il va centrer. Il va centrer Pienaar. Oh, ça va faire mal. Oh, ça va faire mal. Pienaar encore. Oui. Mais c'est quoi ce gardien qu'il a, quoi? Ah, d'habitude, ça rentre, ça. Même s'il faut que je tire 15 fois au but pour mettre un but, d'habitude, ça rentre, quoi. Ah, c'est la pause. C'est la mi-temps. Oh, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Ouais, j'ai un peu la pression. Et bon, si j'arrive à gagner les quarts de finale, ça serait énorme.
C'est vraiment énorme. Le problème, c'est que vu que j'ai des joueurs argent, or et bronze, je peux pas faire de coupe bronze. J'aurais bien aimé, parce qu'avec cette équipe, voilà. Regardez, 58% de possession de balle. Il a fait 0 tir cadré, j'en ai fait 4. Précision de passe, 90%. Vous voyez? Bon, là, il va nous faire attendre 20 secondes. Voilà, et aussi, je vais en profiter de ce petit temps pour vous dire que pour Noël, voilà, pour Noël, je pense que ça va arriver le 23, le samedi 23 décembre. Je vais vous faire une méga ouverture de pack. Voilà, pour le 23 décembre, une petite vidéo spéciale Noël, une petite ouverture de pack de à peu près, on va essayer de faire ça en une demi-heure, 40 minutes. Voilà. Peut-être pour les 1000 abonnés, peut-être pour Noël, je ferai aussi une heure de live. Voilà, donc peut-être que je vais faire une heure de live pour Noël et une méga ouverture de pack pour les 1000 abonnés. Voilà, donc des vidéos qui vont arriver sur ma chaîne, même si j'ai pas trop le temps d'en faire, il faut quand même que j'en fasse. Voilà, j'ai que le lundi pour en faire, parce que le dimanche, je dors toute la journée. voilà, hop, hop. Hop, hop. Oh putain, j'avais raté en plus. Oh, penalty. Il est marrant lui. 54 en penalty, il veut tirer un penalty. Tant qu'à faire, je fais tirer. Oh, oui, 54. Tant qu'à faire, je fais tirer. Non, je vais faire tirer lui. Allez, pied-nard. Allez, pied-nard. Je vais tirer à droite. Non, à droite peut-être. À gauche, et ça fait but. Oh merde, je voulais pas faire ça. 1-0 les gars. 1-0, but de Pienaar sur penalty, c'est mérité. Voilà, contre-pied parfait. J'avais dit que j'allais tirer à droite. Comme d'habitude, le mec plonge à droite. Voilà. Si vous l'avez remarqué, dans toutes mes vidéos, je dis que quand j'ai un penalty, je dis que je vais plonger à droite. Au final, le mec plonge à droite et moi je tire à gauche. Voilà, donc là j'aurais tiré à droite, il me l'aurait arrêté, j'aurais ragé. Ah ouais, si je rate un penalty avec cette équipe, j'aurais vraiment ragé. Là, il a dû passer en ultra méga offensif. Voilà, donc ça, c'est une chance de plus pour marquer un but. Ouh. Allez, faudra en marquer un deuxième. Aussi, le principal problème de cette équipe, c'est qu'en fait, ils se fatiguent très très vite. Du coup, arrivé à la 80e minute, il n'y a plus personne sur le terrain. Il n'y a que le goal. Il n'y a que le goal qui est en forme. Là, il y a touche à nous. Voilà, c'est parfait. Allez, les gars. J'aurais dû faire peut-être tirer de là, de là, mais bon, on s'en fout. Tant que j'ai marqué le but. Ah, mais non. Il a 50 en vitesse. Il n'a pas 80. Oh, bravo! Oh bravo, bravo. Ah, franchement, merci. Je sais pas si tu as fait exprès ou quoi. Et bon, merci à toi. Si je marque un but, ça serait épique. Oh but. Oh et but de Macha Maïté. Non, je sais pourquoi il a fait ça. Il a dû se mettre en ultra offensif. Et il a dit, si je fais un corner, que je récupère la balle, j'envoie devant et ça va partir en contre, ça va faire mal. Mais bon, Macha Maïté, tête but. Voilà, bien fait pour toi, mec. Tant pis, voilà, t'as voulu faire un corner, et ben t'assumes. Voilà, donc je sais que ça allait être épique si je marquais un but sur corner. Et voilà. Allez, Baloyi. Voilà. Passe à Pienaar, passe à Pienaar, voilà. Super. Peut-être pour le 3-0. Ouh, ça. Non, c'est bon, corner, corner. Allez. Allez, on refait la même. Baloyi sur Macha Maïté. Par contre, là, il a récupéré, là. Là, il a récupéré. Un contre un poteau, ça va faire mal. Voilà, bien joué, ça. Oh, je l'ai vu partir, Baloyi. Je l'ai vu partir. Oh, la frappe. Non. Dra-dra. Putain, dra-dra. Assure, quoi. Attention. Oh, attention. Ouh, bien joué, Mato. Là, je vous dis des noms de joueurs que vous avez jamais entendu de votre vie. Hop. Allez, les gars, on construit.
Hache longue. Tac. 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 Baloyer. Ah oh, putain. Ils mettent 15 ans à tirer. Oh, par contre, défensivement, ils sont là. Ils sont présents. Ah là, il doit avoir les nerfs là. Il doit avoir les nerfs. Il se fait mener 2-0 par une équipe qui a pas de photo. C'est grave. Ah, j'aurais son équipe, je suis en train de pleurer là. Je m'imagine avec ma BPL me faire mener par une équipe comme ça. En plus, c'est pas des joueurs cheatés, hein, sérieusement. Il y a des bronzes qui coûtent 30 000 crédits et qui sont super forts avec 90 de vitesse, tout ça. Ah, je vous promets que mes joueurs, je les ai payés 300. Le plus cher, je les ai payés 650, quoi. Donc c'est pas des joueurs cheatés, c'est juste pour le délire. Sinon, ouais, c'est sûr que je prends une équipe bronze avec que des 80-90 de vitesse. C'est plus facile. Mais cette équipe, c'est pas du tout ça. Voilà, Nkata, hop, Dradla. Non, j'ai voulu centrer. Ah, je vous promets, j'ai voulu centrer. Ouais, j'allais pas marquer un but de PES alors que j'ai une 2-0, ça sert à rien. Ouf. J'aurais peut-être dû tirer direct. Là, il va partir. Ouh là là, oh il est passé. Oh il est passé. Et non, il passe pas. Il passe pas les gars. Il passe pas, on est présent, on est là. Tac. Tac. Toi je t'ai vu en haut. Voilà, tu pars, Baloyi. Mais t'es nul. Il est vraiment nul ce Baloyi. Il a raté 3 face à face. 4 pénalty. Attention. Attention. Ouh, joli contrôle. Là, il va envoyer Jovinko. Je le savais. Faut pas le laisser frapper. Ah, bien joué, les gars. Bien joué. Ah, il y a Faiko qui veut jouer contre moi. Kuzwaho. Kuzwayo. Voilà, donc ça, c'est mon goal. Vous le connaissez certainement, hein. Kuzwayo. Il est connu. Oh, l'arrêt. Oh, oui, le double arrêt de Kuzwayo. Oh là là. Magnifique. Super gardien. Oh là là, je le regrette pas, lui. Je regrette pas de l'avoir acheté. Il y a faute, monsieur l'arbitre. Il a pas sifflé une faute pour moi, quoi. 87e, là il doit avoir la pression là. Là il doit avoir la pression. Il va centrer. Voilà bien, il va s'en rentrer. Tac. Allez, ça part. Non, même pas. Non. Non les gars, faut pas prendre un but. Il faut pas prendre un but. Il faut pas prendre un but. Allez, tac. De là, de là. Il va nous faire quoi? Il va nous faire quoi? Rien du tout. Oh là là, il est passé. On a laissé l'avantage de l'arbitre. Attention. Bien, gardien. Ah, un bon petit match de notre gardien. Voilà, Pienaar sur Hachelongua. Et voilà, c'est terminé, les gars. Victoire 2-0 avec ma super équipe de ouf. En quart de finale. Alors, rien que pour ça, je vais vous faire une vidéo pour les demi-finales. C'est obligé. Passer les quarts de finale avec cette équipe en gagnant 2-0. En ayant la possession de balle. Bon, ça, on va voir ça. Match Tamaité, homme du match. Voilà. Hop. Tac. Moment fort. Non, merde, c'est pas ça. Et je me suis trompé. C'est quoi? Détail du match. Voilà. Donc, en ayant la possession de balle, le nombre de tirs. Moi, j'ai fait 11 tirs. Il en a fait 5. Le nombre de buts. Ça, c'est normal. Le nombre de précisions de passe. Voilà, donc en gros, on l'a dominé avec ma super équipe. Voilà, donc c'était une petite vidéo fun avec cette équipe bien compétitive, hein, sérieusement. Bon, je vous la conseille pas parce que, bon, entre nous, quand même, on peut faire mieux. Hein, on peut faire mieux. Voilà, je vais jouer les demi-finales. Je vais vous faire une petite vidéo. Donc, c'est une équipe qui a ni queue ni tête. Comme vous pouvez le voir ici, voilà. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Faiko, tu me saoules. Voilà, donc j'espère que la vidéo elle vous a plu et que vous allez rester présent sur ma chaîne à être comme ça, actif,
à laisser des petits pouces bleus, pouces verts si vous voulez, des petits commentaires en me donnant des conseils. Voilà, donc les vidéos tests de joueurs arrivent très vite. Comme je vous ai dit, j'ai lu vos commentaires et je vais faire les joueurs que vous m'avez conseillés, du genre Torres, Neymar, peut-être Ronaldo. Peut-être Ronaldo, parce que il y a un mec qui m'a contacté, il m'a dit qu'il avait Ronaldo. Bon, après, j'ai pas de preuves. Voilà, il m'a dit que normalement il me le passerait demain, mardi ou mercredi. Voilà, donc j'attends ça. Si j'ai Ronaldo, je vous fais une vidéo de suite. Ouais, ça, c'est sûr, je revends mon équipe. Mon équipe, celle-là, là, qui vaut 800 crédits. Je vends mon équipe et je me fais une grosse BBVA. Voilà, donc c'est le petit programme de ma chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vert si vous avez aimé ma superbe équipe de ouf. Je vous conseille pas de la refaire, hein. Parce que bon, c'est un peu de la merde. Même si j'ai gagné 2-0, ça c'est parce que je suis fort. Voilà, je me fante un peu trop. Non, je rigole. Allez les gars, on se retrouve samedi normalement. Je vous ferai une petite vidéo vendredi ou samedi, elle sera sur la chaîne. Passez une bonne semaine, courage les cours, c'est bientôt les vacances, bientôt Noël. Ciao tout le monde.